tête de liste de MR Saint-Josse avec nous, M. Geoffroy Kerks. M. Geoffroy Kerks, bienvenue. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bonsoir, Kadir. Je suis content d'être là. Merci pour cette interview. Ben, nous vous remercions vivement d'être présents à notre invitation. Mais nous allons faire rapidement, on va passer directement aux questions. Qui est M. Kerks? Alors, j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai un enfant qui a 2 ans maintenant, qui s'appelle Amaury. De formation, je suis juriste et j'ai un diplôme complémentaire en urbanisme et aménagement du territoire. Je fais de la politique depuis maintenant 25 ans environ. J'habite à Saint-Josse depuis 48 ans, donc j'ai toujours habité à Saint-Josse, donc j'aime beaucoup cette commune et je crois la connaître plutôt bien. Dans ma carrière politique, j'ai été échevin de 2001 à 2006, échevin des travaux publics, du logement, de l'informatique et des affaires juridiques. Et ensuite, à partir de 2006, conseiller communal dans l'opposition. Et donc maintenant, je me présente comme tête de liste MR au PMVD, donc la liste 12 pour les élections communales du 14 octobre. Et quels sont vos projets? Alors, nous avons beaucoup de projets, on a 20 pages de programme, mais je vais aller au point essentiel. Le point le plus important, me semble-t-il, c'est l'enseignement, la qualité de nos écoles. Pour l'instant, cette qualité n'est pas optimale. Or, nous sommes la commune la plus jeune de Belgique, et donc il faut donner un avenir à toute cette jeunesse. C'est une richesse, mais cette richesse, on doit la faire fructifier en ayant des écoles de qualité, ce qui n'est pas tout à fait le cas actuellement. Donc, nous proposons de rénover les écoles qui en ont besoin. Par exemple, le lycée Guidel est dans un état lamentable, nous voulons le rénover complètement. La nouvelle école, la Saint-Josse, est dans des baraquements provisoires depuis 40 ans. Pour des provisoires, c'est fort long, n'est-ce pas? Nous voulons construire une vraie école. Nous voulons ensuite construire une seconde école néerlandophone. Les financements sont là. Le ministre Van Engel de la région, le ministre OpenVLD, que je connais très bien, a les moyens financiers à notre disposition, mais ça fait 12 ans que le dossier n'avance pas par manque de volonté politique. Nous allons faire avancer, puisque nous sommes sur la même liste que l'OpenVLD. Et donc cette école, cette seconde école néerlandophone est une priorité pour nous aussi. Mais outre les bâtiments, nous voulons aussi que l'équipement et l'encadrement de nos écoles soient encore plus forts, plus importants. C'est possible sur fonds communaux. Mon collègue Geoffrey Lepers de GET l'a fait pour engager du personnel supplémentaire, professeur ou personnel d'encadrement, car vraiment, pour permettre à nos jeunes, à cette jeunesse, d'emprunter l'ascenseur social, ils ont besoin d'écoles de qualité. Les écoles de Saint-Josse devraient être les meilleures de Bruxelles. On est loin du compte pour l'instant. Surtout qu'il y a des problèmes de professeurs, d'instituteurs. Absolument. Manque de professionnels. Exactement. Donc nous proposons, sur le budget communal, d'ajouter encore du personnel enseignant et d'encadrement pour que ces jeunes soient bien accompagnés, bien encadrés et puissent avoir un avenir. Il faut savoir que Saint-Josse est la commune avec le plus haut taux de chômage, en particulier chez les jeunes. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ces jeunes, la jeunesse est une richesse, mais il faut que ces jeunes aient un avenir. Et qu'est-ce que vous pouvez penser de ce que, je vais dire, le Parti Socialiste au pouvoir actuellement, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien ou de mauvais? Oh, leur bilan n'est pas très très positif. Maintenant, il y a eu quand même, tout n'est pas mauvais, il y a eu l'ouverture de plusieurs crèches. Enfin, on était en retard, Saint-Josse, on manquait de place dans les crèches. Or, comme je l'ai dit, on est la commune la plus jeune du pays, donc on a besoin de place dans les crèches. Et on a d'autant plus besoin de place dans les crèches que les gens qui cherchent du travail ou qui travaillent ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants toute la journée et donc ont besoin d'endroits où pouvoir les mettre pour pouvoir travailler ou chercher du travail. Donc, c'est très important. Plus de crèches. Plus de crèches. Il faut continuer. On était fort en retard sur la moyenne régionale. Il y a eu un rattrapage, cette législature-ci, mais ça avait déjà été prévu par le bourgmestre précédent, Jean-Louis Manet. Mais il faut aller plus loin. Maintenant, il faut dépasser la moyenne régionale puisque nous avons une population plus jeune. Voilà, c'est très important. Donc la jeunesse est au cœur de notre projet. Bien entendu, nous avons d'autres points importants. Un autre point important, c'est le respect des règles. Nous pensons au MR que pour une cohabitation harmonieuse dans une commune aussi dense et aussi diversifiée que Saint-Josse, il faut que tout le monde respecte un minimum les mêmes règles. C'est la meilleure manière d'assurer une cohabitation harmonieuse.
c'est pas des fêtes, la multiplication des fêtes, des festivals gratuits ou une maison des cultures à 15 millions d'euros qui va favoriser ce vivre ensemble, c'est le respect par tous des mêmes règles. Or, un certain nombre de personnes ne respectent pas ces règles, et donc c'est à la commune, c'est aux autorités de faire en sorte qu'elles les respectent, et donc nous voulons lutter contre les incivilités via ce qu'on appelle les sanctions administratives communales. C'est très important que ce soit en matière de propreté, Saint-Josse n'est pas propre, en matière de propreté, mais aussi en matière d'agressivité, hein, le soir, des gens qui font du bruit, la sécurité, la sécurité routière, ou les gens qui importunent les femmes en rue. Donc, il y a des moyens pour les sanctionner, ces gens-là. Et malheureusement, on peut informer, on peut sensibiliser, mais à un moment, il y a des gens qui ne comprennent rien d'autre que la sanction, qu'on les touche à leur portefeuille. Et donc, nous voulons vraiment... verbaliser. Oui, oui, c'est le seul moyen pour que... Si votre voisin fait du bruit jusqu'à 1h du matin, vous n'allez pas l'aimer. S'il jette ses crasses devant chez vous, vous n'allez pas l'aimer. Et c'est comme ça qu'on crée un ressenti, voire de la xénophobie, voire du racisme. Donc la manière de lutter contre ça n'est pas les braderies ou les fêtes ou la maison des cultures, c'est malheureusement sanctionné. Concernant la limitation des vitesses à 30. Alors nous sommes pour une limitation à 30 dans les petites rues de Saint-Josse. Saint-Josse est très dense, donc les petites rues de Saint-Josse, là, nous pensons que 30 km/h, c'est une bonne limitation de vitesse. Par contre, pas sur les grands axes, hein, ça c'est absurde. Hein, les grands axes qui traversent, qui entourent Saint-Josse, 30 km, c'est un peu peu, mais dans toutes les petites rues, très denses, avec beaucoup d'enfants, de jeunes, d'écoles résidentielles, là, 30 km/h, nous pensons que c'est une bonne limitation de vitesse. Je crois qu'il y a beaucoup de projets, hein, je veux dire, on n'a pas assez de temps pour pouvoir parler. Mais selon vous, quel est le plus important dans l'immédiat? Dans l'immédiat, ben, c'est d'essayer d'offrir une alternative aux habitants de Saint-Josse. Saint-Josse a énormément de talent, de qualité. Saint-Josse mérite mieux que ce qu'elle a actuellement. Et donc nous offrons une alternative, nous offrons une nouvelle manière de gérer cette commune, plus éthique, plus transparente, et nous sommes prêts à avoir des partenaires pour ça, pour changer un peu cette mauvaise gouvernance, cette politique des copains d'abord. Il faut arrêter ça suffit. Après autant d'années, il est temps de passer à autre chose, de passer à une meilleure gestion de la commune, de ses deniers. Nous sommes là pour un renouveau de Saint-Josse, qui est une commune très dense, très petite, mais avec tellement de qualité, tellement bien située. Donc cette commune est appelée à un avenir nettement meilleur que ce qu'elle vit maintenant. Ben, avant de finir l'émission, je vais vous demander, est-ce que vous avez un message pour les Thénaudois? Chers Thénaudois, le 14 octobre, votez pour un nouveau Saint-Josse, un Saint-Josse mieux géré, un Saint-Josse plus juste, plus éthique, plus propre, avec de meilleures écoles, en un mot, un Saint-Josse qui fonctionne mieux, qui est plus performant. Je vous remercie pour cette interview. Merci à vous. Et bonne chance. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin.